SkiMag vous est présenté par Gendron Ski. Cette émission est enregistrée sur les sites de Revelstoke en Colombie-Britannique. Belle aventure à Revelstoke, Colombie-Britannique, ici à SkiMag. Bon, on va s'amuser encore une fois. C'est Alex. Bon matin. Aujourd'hui, c'est Clara qui skie avec nous. Allô? Bonjour. On est super excités parce qu'il y a eu pas mal de neige au cours de la nuit. Et là, tu vas nous amener dans des spots qu'on n'a pas skié hier. Oui, des spots secrets. Moi, il a tombé en fait 7 cm. OK. Donc, ça devrait être beau. Puis là, on s'en va dans Nerd Bowl. L'entrée qu'on prend, c'est Sweet Spot. OK. Parce qu'on n'a pas le choix de prendre une entrée spécifique. Sinon, c'est juste des falaises en dessous de nous. Là, c'est rassurant, ça. Oh, c'est rassurant, ça. Et quand il tombe 7 cm de nouvelle neige ici, c'est vraiment une nouvelle montagne. Oui, ben oui, ça va être pas mal plus mou. Du côté nord, en plus, il y a moins de croûte parce que ça va pas te dégeler puis regeler. Fait que ça devrait être beau. Moi, je suis prêt. Es-tu prêt? Très prêt. C'est parti. Revelstoke offre 69 pistes sur un terrain skiable de 3121 acres. La montagne propose aussi 4 bols de neige fraîche sur le plus long dénivelé en Amérique du Nord, 1713 mètres. Ça, c'est près de 3 fois le dénivelé du Mont-Sainte-Anne de la région de Québec. Pas mal ça, hein? La vie, là, la vie, c'est pas mal ça. Le terrain est pentu, les bols sont immenses et les sous-bois sont nombreux. Plus on monte, plus le terrain devient difficile, voire extrême. Du plus haut point accessible par la remontée mécanique Stoke, toutes les pistes sont noires, sauf une bleue. Mais elle s'appelle la Critical Path. On vient de s'attaquer et de découvrir Nerd Bowl. C'est impressionnant. Juste le coup d'œil, Alex, c'est quelque chose. Et là, Clara, tu me dis que tout ça ici, là, c'est skiable. Oui, c'est tout à l'intérieur des limites. Le bol au complet, ça, c'est le haut du Nerd Bowl. Ouais. Ensuite, la falaise, ça délimite la fin du Nerd Bowl. Uh-huh. Puis juste ici, Grassy's Ridge, ça sépare Greeley Bowl, qui est de l'autre côté, à Nerd Bowl. Fait que de l'autre côté de cette épaule-là, on a encore du terrain skiable c'est à l'intérieur. C'est extrême. On le disait qu'ici, à Revelstoke, c'est vraiment pour les skieurs avancés de façon générale. Il y a des pistes pour tout le monde. Mais pour le ski avancé, c'est quelque chose. Surtout par ici. Ouais. Et il y a un couloir juste là en face de nous qui s'appelle Brown Shorts. On vous laisse deviner pourquoi. Oh my God, que c'est le fun! Secret qui nous attend de ce côté-ci, il paraît que ça va être magique. Oh que oui! Vive les planches! Oh my God! Wow. C'est hallucinant la neige! On s'en va de l'autre côté, ça a l'air qu'il y a un immense bol avec plein de poudreuses qui nous attend.
J'ai trop hâte. On est excités, là. Restez des nôtres. Ski Mag se poursuit après la pause depuis Revelstoke en Colombie-Britannique. On est vraiment en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. On a un sourire sur notre visage qui ne veut pas s'effacer. Et là, Clara, tu nous as amené dans quelle section du domaine skiable? Mais là, on vient de faire Grilly Bowl. C'est une de mes runs préférées parce que c'est vraiment ouvert. Vous voyez, il n'y a pas d'arbres. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de neige avec et les. C'est une de nos runs préférées aussi maintenant. Oui, parce qu'il y en a de la neige. Je veux dire, on est rendu à quasiment 11 mètres de neige là, cette année. Là. 11 fait mètres de neige? Oui, dans nos années records. Et là, on tourne, nous, à mi-mars, fin mars, et il y a encore toute cette neige-là. C'est assez exceptionnel. Oui. Ça, c'est encore vraiment beau. Là. Mais on a de la belle poudreuse jusqu'en mars, là, presque toutes les années. Et de la poudreuse, il y en a pas à peu près. On en a partout. Tantôt, c'est vraiment génial. On est un peu fatigué. On est dû pour le lunch, je pense. Moi, j'ai faim. On va-tu manger? Allons manger. Puis après ça, on vient ici parce que c'est tellement oui, beau. Oui, mais oui, on vient. Wow. Hey, c'est beau, là. Wow. Quelle journée! Jusqu'à maintenant, on est vraiment super gâtés. Là, on va se reposer un petit peu parce qu'on veut se calmer les cuisses. Écoute, jadis, j'ai été un athlète. Oui. Je vois que ça fait un petit moment hein, que j'ai pas forcé avec mes jambes comme ça. Donc, le repos, je suis pas mal content. Là. Ouais. C'est une période de repos pour nous, là, mais toi, l'après-carrière, c'est pas de tout repos parce que tu travailles vraiment super fort. Es-tu content de cette transition-là? Parce que je me rappelle qu'avant, tu me disais, bon, tu voyais la retraite qui s'en venait. Ouais. Tu savais qu'éventuellement, cette date-là, ce jour-là, allait arriver. Et tu m'avais dit une fois, je ne sais pas ce que je vais faire après, parce que j'ai jamais travaillé, j'ai jamais. Ouais. Tu comprends? Tu te rappelles que tu m'avais dit ça? Ah non, c'est sûr. Et depuis que tu as arrêté, il me semble que ça n'arrête pas de bien aller. Oui, parce que j'ai trouvé un milieu avec lequel je suis non seulement confortable, mais je suis tombé en amour. Ouais. Ça, c'est tellement important. J'ai fait du plongeon pendant 22 ans. C'est parce que j'aimais ça. J'ai voulu me dépasser, j'ai voulu toujours en faire plus, m'améliorer chaque jour, rêver des Olympiques, aboutir aux Olympiques, gagner des médailles. Ça, c'est parce que j'aimais ça. Ma transition s'est bien faite parce que j'ai trouvé un milieu que j'adorais. J'ai été très chanceux aussi de pouvoir commencer
tout de suite dans le milieu que je voulais, mais dans la position que je voulais aussi, avec un show anglophone le matin dont j'étais à l'animation. Et où tu étais excellent, parce qu'on t'avait jamais vu travailler en anglais comme ça. Exactement, c'est drôle. Vraiment super bon. Beaucoup de monde me disait, on savait pas que tu parles anglais comme ça, mais pourtant, l'anglais fait partie de ma vie tous les jours depuis longtemps. Ouais. Et là aussi, j'ai une autre transition que je vis, qui est celle de travailler en français, depuis avoir un horaire qui est nécessairement fixe en ce moment. Puis ça, j'aime ça aussi, c'est un défi qui est différent. Ça me garde un peu hors de ma zone de confort, chose qui est nouveau pour moi, mais que c'est j'aime grisant tout le temps. En même temps aussi. C'est exactement. Excitant. Et puis, pour moi, le sens de travailler fort, de continuer toujours d'en faire un petit peu plus, de s'améliorer, d'évoluer dans ce qu'on fait, c'est important. Ouais. Puis ça, c'est une étape de ma carrière, de ma deuxième carrière. Puis j'en suis très content. Mon travail m'amène avec toi aujourd'hui. Ouais. Dans un paysage comme ça, lui fait rêver. Qu'est-ce que tu retiens jusqu'à maintenant de ta journée? Moi, j'aime la nature, mais j'aime ces paysages. J'aime l'hiver, j'aime la neige, j'aime le froid. Ici, là, on a tout. Et quand on est dans la forêt puis on fait du hors-piste, chose que j'ai jamais faite avant, puis surtout pas à la maison, on respire l'air pur, on entend le silence complet d'être dans une forêt, mais en ski. Ouais. C'est extraordinaire. Merci à vous de vraiment me donner le privilège de vivre ça. Ce qui est très, très cool pour nous, c'est de te le faire vivre aussi puis de le voir à travers tes yeux. Ouais. Il te reste du jus dans les cuisses? As-tu encore Je pense que j'en ai encore un peu. Ouais? On nous a dit qu'il y a encore de la neige en haut de la montagne. Il y a plein de sections aussi qu'on n'a pas eu la chance d'aller découvrir. Je pense que ça vaut la peine. Si on est prêt là. On est mieux d'y aller parce que le plus longtemps on est assis, nos jambes vont nous dire non. OK, let's go. On y va. C'est assez fantastique le point de vue qu'on a ici, hein? Là, on arrive, on a fait ça ici, là. Oui, oui, exactement. On vient de descendre North Bowl dans les arbres, là, juste ici à gauche du bol. Mm-hmm. Et là? Bien là, je pensais qu'on pourrait aller voir Greeley Bowl. C'est un bol qui est de l'autre côté de ces arbres-là, de l'autre côté de l'épaule. Fait qu'on va avoir à traverser le haut du bol nord qu'on voit là. Oh, oui. Puis on va aller de l'autre côté, fait que ça va être génial. Il devrait y avoir plus de neige que ce qu'on vient d'avoir. Est-ce qu'il y a des volontaires? Moi! On est parti, ça va être magnifique, ça aussi. Ouais. En haut, là! En haut, là! Let's go! Let's go! Wouh! Allons-y! On retrouve quatre bols relativement accessibles sur la montagne. Le South, North, Powder Assault et Greeley Ball. Pour accéder au Greeley Ball, on doit emprunter la gondole Revelation et la plus haute remontée de la station, la chaise Stoke. Le bol est situé sur la face north de Revelstoke. L'entrée est étroite, mais le Greeley Ball s'ouvre à vous rapidement, offrant sa plus belle neige. Clara, c'est très cool de skier avec toi ici aujourd'hui. Il faut dire que le terrain de jeu aide pas mal. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Et toi, t'es arrivée ici il y a quelques années, presque 5 ans maintenant. Oui, c'est dans 5e hiver. Et t'es en amour avec la région, puis t'es jamais repartie. Exactement. Je suis restée Revelstoke, on dit ici. Ah oui, hein? Oui. Mais je voulais juste essayer, je voulais apprendre à skier, en fait. Puis ça faisait longtemps. Un peu. T'avais jamais skié avant de venir ici? J'avais skié peut-être 3-4 fois au Québec. J'avais c'est fait incroyable. Un peu de snowboard. Wow. Ouais. Fait que j'avais le goût d'apprendre à skier. Je voulais étendre ma saison de guidage parce que ça fait 11 ans que je guide l'été, mais je voulais commencer à guider l'hiver aussi. Quand tu dis guider, c'est guide de montagne? L'été, je guide en randonnée puis en canot, des rivières dans le nord, au Yukon. Puis là, je voulais guider l'hiver éventuellement aussi. Puis je suis une amoureuse de plein air, fait que je me suis dit, bien, j'aimerais vraiment vivre l'hiver dans l'Ouest. Puis j'ai essayé un hiver à Revelstoke, puis je suis tombée en amour avec la place. Qu'est-ce qu'il y a de si hot que ça ici? Parce que oui, il y a la montagne, on comprend, mais à part ça, il se passe quelque chose ici. À part le ski, l'ambiance dans la ville est super. J'ai visité plusieurs villes de ski, puis ici, les gens sont super accueillants. Il y a plein d'initiatives, il y a les marchés de légumes locaux, il y a toutes sortes de choses. Puis la neige est vraiment spéciale à Revelstoke. On est dans les montagnes Columbia, puis on a beaucoup de neige, mais c'est plus léger que sur la côte, comme à Whistler. Fait qu'on est super chanceux, puis c'est moins froid que dans les Rocheuses, où est-ce qu'il y a moins de neige, puis moins de neige, plus froid. Fait qu'ici, c'est comme l'équilibre parfait.
On a la super belle poudreuse, le plus haut dénivelé en Amérique du Nord. Ouais. On est gâtés, là. Bien avant que la montagne soit accessible avec ses remontées mécaniques, la station offrait et offre toujours du ski d'hélicoptère. Selkirk Tangier Heli Skiing permet d'accéder à 500 000 acres de neige vierge dans les Selkirks et les Monts Nachis. Avec ses 40 années d'expérience dans le domaine, vous vivrez l'expérience de votre vie. Donc ici, on a notre station météo avec une plateforme puis un jardin. Ça nous indique combien il y a neigé à chaque jour parce que la plateforme, elle est nettoyée à 3 heures. Puis comme ça, bien, on peut regarder en ligne sur le site Internet. Puis on devient tout excité parce que quand le jardin, il y en a à taille, bien, on a pas mal de neige. Puis quand il y en a par-dessus le chapeau, bien, ça veut dire qu'on a plus que 27 cm. Donc vous pouvez même regarder ça du Québec. C'est pas mal le fun de savoir combien on a de neige à chaque jour. De où? T'es de quelle place au Québec? Je viens de Montréal. J'ai resté là jusqu'à 18 ans. Puis après ça, je suis allée étudier à Gaspé en tourisme d'aventure. Puis depuis ce temps-là, bien, ça fait 11 ans que je guide des expéditions de canots de rivière. J'ai guidé au Québec, en Ontario, au Yukon, territoire du Nord-Ouest, Alberta. Une grande aventurière. Ouais. Là, j'habite au BC. Là, maintenant, je trouve que la qualité de vie est super au BC. Fait que j'ai eu un peu de difficulté à m'en aller. Là. Ça va être difficile de te ramener dans le trafic de Montréal et les cônes oranges et tout ça. Ça, ça te tente pas, toi? Non, pas vraiment. Je suis vraiment une fille de plein air. Fait que je suis vraiment heureuse ici. Et ton rôle ici également, ben, tu guides des gens qui viennent avec les amis de Voyage Gendron. Donc, quand ils débarquent ici, un peu comme Laurent le fait, exactement. Ben, tu t'occupes de leur faire découvrir la montagne. Exactement. Laurent, il fait à temps plein. 5 jours semaine. Moi, je fais 2 jours semaine parce que j'ai d'autres jobs aussi. Fait que c'est ça, 2 jours semaine où je guide les clients de Voyage Gendron lors la première journée de du séjour. Ouais. Pour les aider à s'orienter, juste qu'ils comprennent un peu plus vite, puis pour maximiser leur séjour ici. Est-ce qu'ils sont un peu surpris de la montagne quand ils arrivent? Parce que c'est un beau défi, là. Ils sont impressionnés. Puis là, quand on commence à faire les marches puis les bols qu'on vient de faire, là, ils sont vraiment impressionnés. Là. Parce qu'on n'est pas habitué à ça, nous, à ce genre de ski-là. Non. Jamais. Moi, c'est impressionnant encore. Puis la vue avec la rivière Columbia en arrière, les montagnes au-dessus de l'université, c'est impressionnant. Il y a bien sûr quelques hôtels dans le village, mais la façon la plus intéressante de séjourner à Revelstoke est de demeurer directement sur les pistes. Le Sutton Place est un hébergement offrant un accès direct aux pistes de la station. Tout a été conçu avec des matériaux naturels tels que le cuir, le granit, le bois. Les appareils sont en acier inoxydable. De style alpin contemporain, chaque suite offre des vues extraordinaires sur les montagnes et la rivière Columbia jusqu'aux montagnes Monts Nachis. Annexé à l'hôtel, vous pourrez profiter de restaurants et d'un bar-salon, ainsi que d'une boulangerie gourmet. Les terrasses extérieures sont aussi un excellent endroit pour l'après-ski. Le Sutton Place est un hébergement 4 étoiles. Sincèrement, Clara, merci beaucoup. C'était fantastique. On a eu du beau ski grâce à toi. Tu nous as amené dans des maudits de beaux spots. Merci beaucoup. C'est génial. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous. La belle affaire, c'est qu'elle reste ici, la chanceuse, puis elle va pouvoir y retourner demain, après-demain et après-après-demain. Il va falloir que vous reveniez me voir. OK. Bien là, moi, je le prends comme un rendez-vous, ça. Aussi. Salut. À bientôt. Merci. Wow. Sérieusement, là, c'est quelque chose, hein? Tu fais ce que... Je suis fatigué, oui, mais j'en redemanderai encore. Fatigué, mais heureux. Ah,
plus qu'heureux. Bon, bien, écoute, je suis content que tu aies aimé ça. J'espère que vous avez apprécié également. C'était nos deux rendez-vous à Revelstoke ici. Première visite pour moi ici dans cette belle grande station-là. Première visite pour toi moi dans aussi. L'Ouest canadien. Et je veux te dire merci à vous autres parce que c'était la plus belle journée de ski de toute ma vie aujourd'hui. Uh-huh. Sincèrement, j'encourage wow. n'importe qui à venir vivre ça si vous ne l'avez pas fait. C'est incroyable. On s'en fait ça l'année prochaine? Oui. Vendu. S'il vous plaît. Salut, à bientôt. Salut. Pour un autre ski mag. Mag vous a été présenté par Gendron Ski. Cette émission a été enregistrée à Revelstoke, en Colombie-Britannique. Benoît Gagnon est fier de skier sur Raccoon, Québécois de souche. Nous désirons également remercier les gants Auclair et les vêtements Peak Performance.